Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur 01net.com. Aujourd'hui, on va déballer un smartphone. Cette vidéo est sponsorisée par Honor, donc on va déballer un smartphone Honor. Il est juste ici, voilà, j'ai le carton, comme d'habitude, vous savez, c'est ma passion de déballer des trucs. Maintenant, j'ai le coup de main, ça va hyper vite. Hop là, il est là, le Honor 9A. Pour info, c'est un smartphone d'entrée de gamme, hein. Il coûte 149 €. Vous pouvez l'acheter partout, Fnac, Darty, il est sur le site iHonor aussi, le site de la marque. Bref, on vous met toutes les infos en description si vous êtes intéressé par le téléphone. Sachez qu'on va vous faire gagner un téléphone, enfin pas celui-là, un tout neuf, emballé sous blister tout beau. Pour participer, je vous explique comment ça se passe en fin de vidéo. C'est parti, on déballe ça. Les gens de chez Honor ont été très sympas et ils m'ont accéléré un petit peu le processus. Ils m'ont créé un compte, etc. Donc il n'y a plus qu'à l'allumer théoriquement. Voilà, Honor 9A, vous avez le petit capteur. Oula, not for sale. Alors, c'est gentil chez Honor, mais je ne comptais pas le vendre, je vous rassure. Je vais vous le renvoyer. Vous avez un capteur d'empreinte, un triple module caméra, avec un capteur principal de 13 mégapixels. Pour info, pendant que ça charge, j'en profite pour vous dire que vous avez 64 Go de stockage extensible à 512 Go avec une carte micro SD. Et aussi, vous avez la possibilité de mettre une double SIM. Voilà, c'est plutôt cool si vous avez votre numéro de boulot ou autre, vous avez deux numéros, vous faites ce que vous voulez, après on ne juge personne. C'est un écran de 6,3 pouces avec une encoche goutte d'eau. Hein, voilà, c'est ça ce qu'on appelle une encoche goutte d'eau. Ça tourne sous Android 10, mais vous n'avez pas le Google Play Store, vous avez l'App Gallery qui est juste ici, qui est donc un... Ah oui, bah oui, il n'y a pas de réseau. Bougez pas, on va configurer le Wi-Fi. Re, c'est bon, on a du Wi-Fi. Parce que forcément, ils n'avaient pas le Wi-Fi de chez moi, chez Honor, sinon ce serait inquiétant. On retourne dans l'App Gallery, donc vous avez des petites catégories. Voilà, vous pouvez choisir un peu ce que vous voulez, jeux, business, etc. Ça me fait plaisir que dans la Huawei App Gallery, vous ayez les jeux avant le business. Ça, c'est très cool. Si vous cherchez une appli, vous la trouvez là. Si vous ne la trouvez pas dans l'App Gallery, ce qui existe sur le téléphone, c'est Petal Search. Petal Search, grosso modo, c'est un peu un marché. Hein, voyez ça comme un marché où vous allez taper l'appli que vous cherchez. On va faire un exemple là avec Facebook. Admettons que Facebook ne soit pas sur l'App Gallery. Je tape Facebook, je tombe là sur une page de recherche pour télécharger Facebook. Ça va aller tout simplement piocher dans d'autres magasins d'applications. Et donc là, voilà, notamment APK Pure, hein, pour les connaisseurs. Et donc, vous avez juste à l'installer directement ici. Si par exemple, YouTube, vous n'avez pas forcément l'application YouTube, que ce soit sur Petal Search ou sur l'App Gallery, et ben vous avez la possibilité d'aller directement sur le site mobile de YouTube et vous avez accès, voilà, à des vidéos de tout type. Coucou Squeezie. Et voilà pour Petal Search. Faut aussi savoir que Honor a fait des partenariats avec des jeux mobiles, par exemple Raid Shadow Legends. Non, je rigole, il n'y a pas Raid Shadow Legends, c'était pour la blague. Vous avez par exemple Lords Mobile ou Rise of Kingdom. Dans ces jeux là si vous achetez un Honor 9A, vous allez avoir des petits bonus, des petits avantages. C'est plutôt cool. On enchaîne aussi sinon avec Phone Clone. Ça vous permet de transférer vos données de votre ancien téléphone à votre nouveau téléphone de manière assez facile. Pour vous expliquer très rapidement, vous installez cette appli sur votre ancien téléphone, peu importe la marque ou l'OS. Vous installez cette appli sur votre nouveau téléphone, vous désignez votre ancien téléphone comme ancien téléphone, le nouveau comme nouveau, et via un système de QR code, vous scannez. Ça va vous demander ce que vous voulez transférer, si vous voulez transférer vos contacts, votre musique, vos images, etc. Et vous le faites. Plutôt cool, Phone Clone, si vous changez de téléphone. Un des gros points forts du téléphone, c'est sa batterie. C'est du 5000 mAh. Pour le prix, c'est plutôt sympa. La marque annonce même 33 heures d'autonomie en appel. Maintenant, si vous voulez faire le test, allez-y. Filmez-vous pendant 33 heures. On vous envoie le téléphone, même si vous faites le test. Avec grand plaisir. Et on débriefe tout ça ensemble. Mais voilà, 5000 mAh à ce prix-là, c'est plutôt intéressant. On va finir avec ce qui reste dans la boîte assez rapidement. On a du classique. Donc, on va avoir le petit Bitonio pour la carte SIM. Comme d'hab, la prise secteur. Le chargeur en micro USB et enfin les écouteurs et le kit piéton comme on dit dans le milieu. Voilà pour les gens du milieu du smartphone. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on vous offre ce Honor 9A, enfin pas celui-là avec mes grosses traces de doigts, mais un tout neuf et sans l'étiquette not for sale, promis. Pour participer, ça va se passer sous la vidéo. Il y a un commentaire qui va vous renvoyer vers notre Twitter et tout est expliqué. Il me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo sur 01net.com. Salut!